Ouais, mais en fait, ce qui nous a fait plaisir, c'est surtout que c'était des putains de musiciens, tous ces jeunes qu'on avait, et que ils ont vachement accroché à nos ateliers, ils ont été réactifs, YouTube ou un autre truc que Si, grâce il est à la sur YouTube musique en fait. et grâce à la langue française aussi, on a réussi Il est sur à tous se retrouver, à créer un bon moment de convivialité avec ces jeunes qu'on connaissait pas, ces jeunes roumains, d'une autre culture, mais les deux cultures sont très compatibles. Et là on décompresse. Donc on a les souvenirs de ces 3 jours là qui reviennent tout doucement. Alors, une autre question. Est-ce qu'on peut mettre tout ça un peu plus au fond? Parce que ça pourrait aider pour les lumières. Parce que là, pour les lumières, vous êtes un peu trop en Ok. avant. Si vous mettez tout ça On met toujours ma tête, un mais mètre, ça va un bien. mètre, Ok. un mètre, mais pas plus. Et comme ça, on peut tout laisser en place. Et les concurrents Ça va pas les gêner. ça va pas les gêner. Bien. Ouais, parce que moi je crois que comme élément donc pour marquer l'idée qu'il s'agit de la musique, c'est bon D'accord. de tout laisser sur la D'accord. scène. Ouais, très bien. Que sunt luminile de pe lateral astea care sunt pe Et puis, pantalon, oui. ce ajută foarte mult C'est la... juste pour les lumières qui sont Ok. les deux côtés, des deux côtés. Ok. Și atunci Si vous ne êtes un faites peu pe plus noi bas. și tot rămân toate montate. Și Ok, c'est bon comme ça? Ok. Non. Allez, c'est gentil. Ne me quitte pas. Je vais et je moi retourner moi. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Soyez les bienvenus à la 12e édition du festival Chant sur scène. Je suis Nicolas Evaes, le directeur de ce festival. Soyez les bienvenus. Le festival de Baia Marais, c'est la fin d'un processus de, pas de sélection, mais de mise en évidence de jeunes qui ont beaucoup travaillé avec leurs professeurs et qui sont curieux par rapport à la musique actuelle française. Là, à ce niveau-là, à Baia Marais, on a vraiment une sélection de jeunes de très haute qualité, que ce soit du point de vue linguistique ou du point de vue artistique. Et ben voilà, c'est très prometteur parce que c'est des jeunes et qu'on voit que les catégories de 13-15 ans se renouvellent, sont toujours les plus nombreuses et se renouvellent continuellement et sont de plus en plus, je sais pas, de plus en plus, je trouve, ont des choix de plus en plus actuels, des choix de plus en plus inattendus par rapport à ce qu'on peut entendre comme musique française à la radio en Roumanie. Donc il y a une vraie curiosité et un vrai travail derrière qui est admirable. Thank you.
Je suis tombé sous le charme. Comme un éternel pont autour de mon âme. Comme un éléphant vaudou. Je suis tombé sous le charme. Comme un éternel pont autour de mon âme. Le Jésus comprend les baillons. Mais oui, mais je ne suis pas ici. Je connais mon cœur, me répond. Je connais par cœur le pont de Mississippi, mais je ne suis pas de là. J'ai oublié, ouais, m'oublier dans tes bras, mais j'ai vu un tranquille. Mais laisse-le aller, aller, Huckleberry Finn, ouais. J'ai vu la tranquille. Pas couler tout ça, fais des fois dans l'air, vous finissez, ouais. J'ai vu la tranquille. Pas couler tout ça, fais des fois dans l'air, vous finissez, ouais. J'ai vu la tranquille. Je serai ton Huckleberry Finn. Des années 2000. Là, c'est un projet qui permet de travailler un français dynamique, un français en usage dans la création artistique. Aussi un français très actuel, parce que c'est une musique actuelle, c'est des musiques qui s'adressent aux jeunes. Des lauréats, il y a une partie linguistique qui représente un bon quart, un bon tiers de la note, une partie artistique mais qui est divisée en différentes parties, donc les qualités vocales, les qualités artistiques du candidat, tout un travail de découverte de la part des élèves qui sont encadrés par les enseignants, travail de choix, choix de ce qu'ils aiment mais aussi de ce qui leur convient à chanter. Et puis un travail scénographique aussi, une présence sur scène qui est notée. Un festival qui s'installe dans la durée et qui est en constante progression. Tu tombes en temps, tu plaques sur les bords de l'espérance, tu fais parfois contre sens. De temps en temps, des flèches plantées au cœur, de la peine, de la rancœur. De temps en temps, je ruis de rien, je fais le compte lorsque je mienne. De temps en temps, je pense qu'il n'a peur, je suis le fils de mes erreurs. Et très souvent, je relève sur ton regard, je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule. J'aimerais bien individuel, ça dépend, je vais en voir, tu vois, mais individuel, c'est l'idéal, c'est individuel et groupe. Voir s'ils sont réactifs ou pas, s'ils galèrent, s'ils vont vite. Si on voit qu'ils galèrent, on les coupe direct. Ouais. Tu sais, on va voir. Et il faut faire la manip du wifi si on peut, parce que là, elle est trop loin. Ouais, ouais. Je sais, qu'on choisit ou pas ? On va choisir.
Je vais te dire ça quand je vais les voir. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les jauger par la présentation et la leur. Pendant ce temps-là, en fonction de leur réaction, on va adapter une dans notre panel de texte. Mmh. C'est mieux. Sinon, on va pas forcément taper dedans. On s'adapte à eux, en fait. On va s'adapter à eux. On pense comme un prof. Merci. Mutsumesk, frumos. Cu plăcere. Vous êtes étudiant ici, vous étudiez le français, c'est quoi? Salut, ça va? Je suis Madalena, de Sibiu, du collège agricole. J'ai 16 ans. Oui. J'ai beaucoup de chanté. D'accord, moi c'est parfait. Le groupe existe depuis un an. Enfin, comment? Ouais, un an et demi. Et d'abord, moi j'ai rencontré Samy. Et ensemble, on a travaillé à deux, en piano-voix. Après, on a voulu rajouter de la batterie. Donc c'est Théo qui est arrivé. Puis Théo a dit, moi je veux de la basse. Et donc il a dit, et j'en veux un à la basse. C'était Manu. Et voilà. Et après, Samy a dit, et moi je veux plus être tout seul. Et je veux un copain sur scène. Et puis il a trouvé Yann. Et on a quelqu'un aussi de très important dans le groupe, c'est Landry, qui est notre photographe. Et parce qu'en fait, nous, on considère la photo comme la musique, parce qu'il est sur scène avec nous, il se balade, il fait des photos, et grâce à lui, eh ben, on arrive à devenir plus connu plus rapidement. Donc on n'est pas encore célèbre, hein, mais c'est déjà un peu bien. Par exemple, on a fait... est-ce que vous connaissez la chaîne TV5 Monde? Mmh. Voilà. Et donc en fait, c'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui. Parce qu'on a gagné un concours qui nous a ouvert les portes vers l'international. On aimerait bien découvrir trois chansons. Donc je ne sais pas si vous pouvez proposer, chacun propose une chanson. Et comme ça, on va l'écouter et on va, juste pour découvrir nous, on va apprendre à vous connaître en musique. Par exemple, un groupe ou un underground de rap, s'il y a un morceau sur internet qu'on peut prendre tout de suite. En termes d'image par rapport de la Roumanie, ce qui est la vraie Roumanie, pas la Roumanie que l'Europe pense, mais la vraie Roumanie. On peut garder ça, mais on va essayer d'autres pistes. Hein. Mmh. Le deuxième morceau, c'était Section d'Assaut. Oh, du français. Désolé. Du français. Est-ce qu'il y a un titre en particulier où tu sais plus? Avant qu'elle parte. Avant qu'elle parte. Tu veux qu'on essaye de s'inspirer de ça, par exemple? Oui. Mesaj pentru... Da, de la puia. Da, de mai cu 5 și nu știu ce.
On est encore dormi, c'est ça, c'est opti. Nu m-a primit. Vechi, vechi, primea mea mestre când am făcut... Dar tu zici, Elena, mai știi. Ah. Ah. Hey, asta e. Ați aflat acum. Ba... Cred că... Hai să scriem. Nu trebuie neapărat să rimeze astea două cu următoarele două, că iese și dacă rimează numai câte două. Asta e respect. Dar nu trebuie să fie rima încrucișată, să fie una așa, că după aia nu are... Depinde de melodie, că deci când se compune o melodie nu se ține neapărat cont de rimă, mai mult se ține la poezie și depinde de ritm cum iese. Pour le moment, c'est une sorte d'approche entre nous, groupe de musique français et élèves ou adultes roumains, très timide, mais on sent qu'ils ont envie, et surtout le sujet de parler de du vrai visage de la Roumanie, ça leur tient à cœur, donc je pense qu'ils vont écrire un bon truc et qu'on va faire une belle chanson. J'invite sur scène, mesdames et messieurs, ce soir, pour vous, Bora Liviu George! Bonjour. Bonjour à toutes. À toutes. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui, Liviu? Une chanson d'amour romantique, hein, le café. Le café. Un, deux, trois. D'habitude, on dit un, deux, mais j'ai dit un, deux, trois. Bon. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café à l'arabica, dans un bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas, me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, ben je change de sens et reprends un café. À 8h moins quart, faut bien l'avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'il arrive, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire rentre, alors qu'on pourrait aller. Tiens, je vais m'en prendre un, mais maintenant qu'il est fait, un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se meurent. Détends-toi, René, prends un bon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi, oh, mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout le Paris, puis je trouve un croquet. J'en prie la VK, mais recaféiné. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait. Mais c'est un peu en retard, je me suis affaibli. J'achète par la tête, elle me vient chercher. De toute façon, quand je rentre, maman, devinez. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une dame me dit, vous auriez l'air s'il vous plaît. Je lui casse la tête et j'appuie sur le quai. Puis je refile à la maison, je me sers. Devinez, papa, mon papa, en classe, je suis premier. T'as vu quoi, tu vas-t-elle me faire chier avec les grosses gosses. En plus, je vais chialer, je suis seul dans la cuisine et je reprends du café. Ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans la cuisine et je reprends du café. Les filles veulent que je dorme, les voisins vont me chauffer. Alors j'ouvre les portes et je reprends du café. Thank you.
Hop, ça t'a inspiré là. Non, c'est ici. Ah, d'accord. Je peux jeter un petit coup d'œil. Ouais. C'est bien. C'est rare. Il n'y a pas de photo en plus, c'est bien. Să fie și faza că îți scot bulet acasă, ca la muzica l-ar plăcea. Ce? Că îți scot... Nu contează. Idei! Est-ce que ça vous dit une petite pause musicale de ce qu'on fait? De d'entendre un peu ce qu'on fait? Parce qu'on parle de musique depuis tout à l'heure, on n'en a même pas fait. On en a un peu un comble. Donc, les deux d'ailleurs. Approchez-vous. Haideți, apropiați-vă, să vă apropiați la o să le cântă eu. Tu mâncă de Mozart? Traverse les âges, mon ressenti le décrit. Je t'envoie cette correspondance après deux siècles et demi. Les hommes restent les mêmes, avides et pourris. L'on parle des mêmes choses, être aimé ou être haï. L'enfant prodige devient enfant à problème. Il a quitté la chapelle pour l'art de rue à haut risque. L'oreille absolue permet de déchiffrer les normes. J'apprécie le chant des balles, non plus celui des notes. Car on se tue pour le pouvoir et yépi. Ici encore les vrais artistes demeurent incompris. Rien n'a changé, n'empêche. J'ai plus le cocher, mais les plis qui nous mettent en calèche. En déchiffrant nos vies, j'ai joué la mesure. Avant de savoir lire, compter les mesures d'années qui nous séparent. Dès que l'on départ, le silence provoqué à jamais la celui des braves. Veux qu'on aille. Je voulais que l'on devienne plus artiste. Non, attends. Attendez, il va doucement. Pareil, je fais pas de la zik, le rap c'est futile. La prof de collège, je voulais que l'on devienne plus triste. T'aimais l'absinthe, le vin, les femmes et la vie. Tu serais sûrement devenu mon partenaire de beuverie. Il faut à l'absence un peu d'amour. Pour l'appel 5, une bouée de secours. Je cherche les mots qui s'aiment sur un degré de fausseté. Récite une chrysanthème dans un monde de fausseté. La flûte enchantée fait danser cette lame. Bah oui, tant comme à l'époque, elle finit tout échec et mat. Du rap au classique, j'ai plus d'une corde à mon arc. Je rends à Mozart ce qui revient à Mozart. Avec le groupe, en l'occurrence cette année Rhapsody, qui est donc un groupe de hip-hop, il définit un peu hip-hop, musique classique, où mélanger un peu les genres, aussi un peu jazzy. Et là aussi, la même chose que pour le festival, c'est à la fois linguistique, à la fois artistique. Il y a un échange aussi humain entre des jeunes français, des jeunes roumains, entre des jeunes artistes en voie de professionnalisation, d'un niveau très sérieux, et des jeunes roumains qui se projettent aussi un peu dans ce rêve d'artiste. Et donc une relation artistique, une relation humaine, le tout sur un fond de relations linguistiques très important, d'utilisation des connaissances apprises en cours pour la création artistique. Donc forcément quelque chose, un projet motivant pour des jeunes de cet âge-là. Si tu pars en Angleterre les derniers dates,
Si tu pars en Angleterre, les douaniers interrogent ta mère, demandent si t'as un truc caché dans ton slip, mais toi tu gardes un air fier. Si tu rentres dans un magasin et tu parles roumain, ils te gardent un air bizarre, ils font... Attendez. Ce que tu peux faire pour le moment, c'est sans musique, mais juste nous lire. Ah, okay. Et après, on le fera. Je sais. Si tu rentres dans un magasin et tu parles roumain, ils te regardent un air bizarre, ils s'en foutent que t'écrivain. Putain, j'ai l'impression que tout ça n'arrive qu'à moi, mais je baisse la tête pour la centième fois. D'accord. Pas mal. J'ai essayé le truc, mais ça marche. Par rapport à... A été appelé le petit Paris. Ne nous mettez pas d'étiquette. Nous n'avons pas toutes vos richesses, mais notre trésor se trouve au fond du cœur. Nous sommes fiers, nous sommes d'ici, et la famille, c'est tout ce qui compte en Roumanie. Acceptons les différences, allons au-delà des apparences, allez, dites-nous, la France, n'êtes-vous pas le pays de la tolérance? Oh, oh. Bienvenue à Roumanie, qui est la perle de notre vie. On attend votre concert. Nous sommes aussi des francophones, vous ne connaissez de millions, pour nous foutre tous à l'air. Vous avez entendu les textes de chaque personne? Est-ce que on ne pourrait pas trouver tous ensemble un refrain en roumain? Voilà, l'idée qu'on a, c'est qu'on aimerait bien le faire. D'abord en roumain et après le traduire en français. Voilà. Parce que là, vous avez essayé de penser le roumain pour le mettre en français, mais en priorité, c'est le français qu'on entend. J'aimerais bien faire l'inverse, où vraiment vous pouvez écrire directement en roumain. Et après, c'est nous qui allons essayer de trouver en français. Vous nous expliquez quand même. Non. Moi, pour le moment, j'ai une idée de mélodie pour la première phrase en roumain. Et comme ça, j'aimerais bien, vu qu'on fait un échange, moi, on écrirait une avec Samy en français. Et ensuite, on rebasculera sur ta troisième phrase en français. Et on en remettra une en roumain. Comme ça, on aura deux roumains, deux français. Mais moi, vas-y, tu veux jouer? Moi, j'aimerais bien... Excusez-moi, j'arrive pas à rouler les R, je suis un handicapé de ça. J'y arrive pas. Mais j'aimerais bien une rythmique mélodique un peu comme ça. Toleranza este comara, inimi mostre, si vous pouvez me trouver ça. 5. Qui termine par A. 5 syllabes et ça termine par A. Par le A. Le son A. On remettra un truc en roumain. Allez, on peut le faire tous ensemble. 2, 3, 4. Ah ouais, mais tu fais des blagues aussi. La suite en français. Ça sera la première partie du refrain, et si ça vous va, on pourra continuer.
On y va? Est-ce que tu pourras faire le refrain? En fait, tu le fais une fois, je le fais une fois, tu le fais une fois, je le fais une fois. Que tu sois de France ou de Roumanie, la richesse du cœur, c'est le sens de la vie. Toleranza, este comoara, inimii noastre, și speranța. Que tu sois de France ou de Roumanie, la richesse du cœur, c'est le sens de la vie. Toleranza, este comoara, inimii noastre, și speranța. Que tu sois de France ou de Roumanie, la richesse du cœur, c'est le sens de la vie. Toleranza, ça vous va? Este speranța, comoara. Mă bucur mult că am ocazia în fiecare an să particip la acest festival. E a treia oară când vin aici. E o ocazie foarte specială. Festivalul, acest festival e o rupere de la regula obișnuită de engleză-română în țara noastră. Și în fiecare an urmez această rupere de regulă. Eu numesc Chiricheș Ciprian. Am 17 ani, în iulie o să împlinesc 18. Am venit la acest festival pentru că îmi place să cânt. Eu cânt și la chitară, de fapt. De curând ne-am descoperit vocea și talentul. Îmi place să vin aici pentru că sunt oameni noi și sunt multe, multe fețe noi. Îmi place să cunosc oameni. E prima mea ediție la care am venit, dar mă simt foarte bine, până acum e super, super fain. Îmi place trupa care a venit, îmi place genul de muzică. Mi-a plăcut că am făcut la ateliere o grămadă de chestii noi și am compus o piesă împreună, a fost destul de interesant. Da, toleranța este comoara inimii noastre și speranța. Fiecare an am senzația că, de fapt, e și normal. Festivalul în fiecare an se îmbunătățește, aduce invitați mai, din ce în ce mai interesanți. Plac în special invitații din anul ăsta. Rap-ul e o chestie destul de nouă pentru mine și e o schimbare foarte binevenită. Mi-a plăcut mult de invitații de anul ăsta. Și da, rămân în fiecare an plăcut surprins de cum de noutățile ce le aduce festivalul acesta. Salut. Bonjour. Tu viens d'où? Je viens du lycée national Caterina Teodorescu, Târgu Jiu. Et comment s'appelle le nom de comment s'appelle ton prof de français? Elle s'appelle Paliu Minodar. L'Espagne est plus qu'un tombeau où l'on a de le bonheur. Tous les pétales de ma vie se sont fanés aujourd'hui. Reste le souvenir d'hier et pour ces jours d'en prier. Et comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Mon cœur te cherche, mais mes des groupes ensemble. Donc toi t'as combien de mesures? Moi j'en ai... C'est 8 hein? 10. C'est 10? Et il y en a combien là? Mais ça fait un petit sauté, c'est pas clair, ça fait un huit. Petit sauté. 8, ok. Ah, d'accord, et après... Et là-bas, vous avez combien de mesures? 8 aussi, et encore un... Et d'autres, on a? Un depuis le début, 3, 4. Oui.
en résé. Vas-y, résé. C'est pas toujours le paradis. C'est bien. Et on veut être amis. Soyons donc tous unis. Vivrons en Roumanie. C'est pas toujours le paradis. Dans la vie. On n'a pas besoin parce qu'elle, elle va l'allonger celui-là. C'est bien quand ça se voit, quand on va venir. C'est parti. C'est pas toujours le paradis. Tous sinon, ouais, ça sera Manu qui vient faire un truc. Il met des petites notes quand même. Sofiane, c'est parti. Si tu passes le temps, tu le planning, t'as bouche ta mère. Demande si t'as tout caché dans ton slip, toi tu gardes un air fier. Putain, j'ai l'impression que tout ça n'arrive qu'à moi, mais je baisse la tête pour la centième fois. Ouais, j'ai l'impression que tout ça n'arrive qu'à moi, mais je baisse la tête. C'est parti, hey, écoute ça. Plus. J'en ai vu passer des boulots, des amis, des équipages. J'y serais attiré, arrivé, la bouche en cœur éclatée. L'amitié avidée, habitée à l'idée d'aligner leur cul. Les utiliser pour leurs propres intérêts. Attendez, arrêtez ma vie, les rivalités, les nids, le cul. Reste simple, simple, combien de l'oubli. Ne prends pas pour le roi de cette jungle. Mais nous tous, vous avez fini, rassemblez, on slip comme on oublie. Voyez le monolithe, mais je ne suis pas Jack. Bravo, dans un démission, pirate, on paye les caractères. Général solide, mais mon cœur c'est comme mon ghetto, ça pète pour les deux heures, on ne ressent plus les chansons. J'arrive à tirer dans l'une, un guitare si tu vois. En plus, c'est génère le glo-glo, t'es Galina. Elle est à la rue, pas Hollywood, elle se fait la rue, après de nous, des hipsters sales. Faut que je prenne mes distances et prendre le large. Puis je m'élance sur ma page blanche. Besoin de parler, parce que mon départ, je vois des dans le fait, il est dans l'ignorance. Faut que je prenne mes distances, frérot, quand j'y pense, t'es mal venir le faire. Et garder du bon sens, laissez couler, laissez un peu.
Ce matin, on a fait un morceau ensemble à l'école que j'aime bien et qu'on a envie de vous faire ce soir spécialement pour vous. C'est la première fois qu'ils le font, c'est tout frais, et c'est que pour le festival francophone. Ça vous va? Vous voulez l'écouter ou pas? Okay. Bon, ils vont vous écouter, hein. Ils veulent vous écouter, ils sont chauds, ils sont très chauds. Les micros sont mis. On était jeunes. Je vais vous donner mon micro, il faut à peu près le répartir par rapport à ceux qui chantent en premier. Vous faites comme vous voulez, comme à la maison. On est à la maison. On est quoi, 300 000, 400 000 ce soir? C'est pas beaucoup. Ouais. On va juste vous expliquer. Ils ont écrit sur quel thème? Ils ont écrit sur le thème d'un message de la Roumanie à l'Europe. Et ils ont travaillé sur les préjugés qu'on peut avoir sur votre pays, sur la Roumanie. Et on a été très impressionnés par le travail qu'ils ont fait ce matin. En 3 heures seulement, ils ont fait ce que vous allez entendre maintenant. Donc au pire, si on n'y arrive pas du premier coup, on refera peut-être une ou deux fois pour vous ce soir. Merci. Thank you.
le dernier, les derniers rats, dérange ta mère, demande si t'as un truc, et je suis dans ton chiffre, tu gardes un tout. Yeah. Si tu vas prendre le terme des douaniers, interroge ta mère, demande si t'as tout caché dans ton slip, toi tu gardes un air fier. Tu entres dans un magasin, il faut par le roumain. Tu te regardes, tu sens rien d'un truc que des crevins. Putain, j'ai l'impression que tout ça n'arrive qu'à moi. Mais je baisse la tête pour la centième fois. Ouais, ça n'arrive qu'à moi, mais je baisse la tête. Yeah. Chacun quand même méritait une reconnaissance. La plupart ont fait le travail. Il y a des catégories qui sortaient encore plus du lot, comme par exemple la catégorie des 13-15 ans. Les petits ont fait un super travail, ils se sont complètement impliqués et ont joué le jeu. Et ça se voit qu'ils étaient tous conscients du privilège qu'ils avaient de se retrouver sur scène. Et là, pour le coup, c'est toute tranche d'âge confondue. C'était Sofiane de Rhapsody pour la Roumanie.